La position que voit l'énergie vers le bas, c'est la position Nekoachi. J'ai cette position. D'accord? Donc si je suis par exemple en position Zenbutsu, que j'essaye de baisser, il peut résister. Si je suis en Nekoachi, il ne peut plus. D'accord? Maintenant je pousse vers le haut. D'accord? Je suis en Nekoachi. Je ne peux pas. Je suis en Zenbutsu, je n'ai aucun problème. Il y a des positions sur le côté aussi, il y a des positions dans tous les sens. D'accord? Donc c'est pour ça que dans les katas anciens, je dis bien les katas anciens, pas modernes, ah, merci. Hein? Les positions, la position qui envoie l'énergie sur le côté, c'est la position Kivadachi. Donc je faisais Gedan Barai en Kivadachi, parce que c'est là que j'ai le plus de force. Si je fais Gedan Barai en Zenkutsu, j'ai beaucoup moins de force. Donc dans les anciens katas, je fais 1, 2, vers le bas, je vais faire des Kouachi. 3, dans un Kutsu, par exemple. D'accord? Les positions correspondaient exactement à la direction des coups. Okay. Bon, ensuite, on est un peu coincé là-bas, il y a l'heure qui tourne. Il y en a qui